Salut salut, donc je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo en collab. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, elle est en collab avec Fall Beauty & Co. Et ça fait un bout de temps maintenant que je la suis. Ouais, un bout de temps. J'ai une mèche rebelle à chaque fois ici derrière mon oreille. Hein. Donc voilà, si vous ne la connaissez pas, bien sûr, je vous mets le lien de sa chaîne juste ici. Si vous la connaissez pas, je suis pas très centrée encore une fois. Si vous ne la connaissez pas, c'est que vous vivez dans une grotte, je ne sais pas, ou sur une autre planète, parce que, voilà. Alors, on a énormément de points communs, c'est un truc de fou. Déjà, on adore Makeup Revolution, toutes les deux. on a les cheveux gris, toutes les deux, sauf qu'elle, elle les assume, enfin les cheveux blancs, elle les assume, et ça lui va tellement bien, mais en même temps, elle en a tellement beau... C'est tellement bien diffusé dans ses cheveux. Moi, j'ai juste deux touffes ici blanches. C'est affreux, mais elle, c'est vraiment... J'adore. On a la même tranche d'âge. Nous avons toutes les deux un fils qui s'appelle Enzo. Et voilà, ça nous fait pas mal de points communs. Et sans compter qu'en plus, on est make-up addict. Hein, voilà, le plus gros point commun qu'on a. Et que nos palettes préférées chez Révolution sont toutes les deux les Forever Flawless. Donc voilà, je vous laisse aller découvrir sa chaîne. À vous abonner, bien sûr, si vous ne la connaissiez pas encore. Ce qui m'étonnerait. Et voilà, allez liker sa vidéo, lui laisser plein de commentaires gentils, comme d'habitude, quoi que je partage le compte de quelqu'un d'autre. Donc quand elle m'a proposé de faire cette vidéo, j'étais trop heureuse, parce que ça fait un bout de temps que je me dis qu'on devrait faire une vidéo ensemble, puisqu'on a tellement de points communs, quoi. Et du coup, quand elle a vu que j'avais acheté les dernières flawless qui me manquaient, elle m'a dit, tiens, on serait bien une vidéo où on tire chacune au sort la palette flawless que l'autre devra utiliser. Donc, moi, je lui ai fait mon petit tirage au sort, je lui ai envoyé la petite vidéo, et on va donc maintenant regarder la sienne et connaître la vidéo, la palette que je vais devoir utiliser. Donc, c'est parti. Coucou, eh bien, on se retrouve pour le tirage au sort avec la palette que tu vas devoir te maquiller. Je fais un petit coucou également à toutes tes abonnées. Donc, merci d'avoir accepté ce challenge spécial rentrée avec une palette flawless. Donc, c'est parti, j'ai tout mis dans un petit capuchon d'un highlighter, et c'est parti, je vais tirer au sort. Alors, j'essaie d'en prendre qu'un. Donc, tu vas devoir te maquiller avec la Fire. Voilà, allez, j'ai hâte de voir ce que tu vas faire avec. Plein de bisous et bisous à tes abonnés. Merci Val, le tirage c'est la Fire et je suis trop contente parce que je ne l'ai pas encore utilisé. Donc vous aurez bien sûr les swatches de make-up quand même, mais du coup ça sera une autre, un autre make-up. Alors attendez, j'essaie de remettre mon programme d'enregistrement, sinon je vois pas ce que je fais. Voilà. Donc bah, je prépare la Fire et puis on attaque le make-up. Je vais rapprocher un petit peu mon miroir aussi, hein, sinon je vois qu'il dalle. Hein. Donc voilà, si vous voulez savoir quelle palette... J'ai l'estomac qui carbouille. Ma petite main innocente, pas si innocente, attirée pour elle, ben, je vous laisse aller voir sa vidéo. Je vous mets le lien de sa vidéo direct en barre d'infos. Et vous avez sa chaîne dans le petit i. Donc j'ai déjà fait les swatches parce que je me suis avancée pour les swatches de make-up. Donc j'ai déjà fait les swatches de la palette, mais je ne l'ai pas encore utilisée. Donc c'est celle-ci. Et voilà les teintes. Elle est juste sublime cette palette, je crois. Elle est très 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 belle. Donc je ne sais pas du tout par où commencer parce que j'ai envie d'utiliser à peu près toutes les teintes. Ça va être compliqué parce que j'ai très envie d'utiliser le volcanique, le inferno. Mais j'avais envie d'utiliser aussi le rouge et l'orange. Ouais, écoutez, je vais faire un peu le même style que j'ai fait dans cette vidéo. Je sais plus c'est quelle palette que j'avais fait, mais je vais faire un peu le même style. Voilà, je vais séparer ma paupière en deux couleurs, en fait. Donc, je prends un 231 pour commencer. Et je vais prendre le Red Hot, donc, qui est le rouge ici, qui est juste sublime, sublime. On va voir si c'est un vrai rouge, comme ça. Oh, c'est pas ce qui file à mort. Et je le mets donc, ouh, il est beau, sur la partie externe de ma paupière. Hein. Donc je fais tout mon coin externe et mon creux sur, on va dire, un gros tiers de la paupière. Pareil, je reviens en coin externe du ras de cils inférieur. Voilà.
Et on va commencer à dégrader. Alors j'adore vraiment ces palettes-là. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais les Flawless sont vraiment les palettes de la marque que je préfère en dehors des Colas. Parce que bon, la Tamie 3 et la Patricia Bright Rich in Color, ça reste mes préférés de chez préférés. Mais alors celle-ci, mon vieux, le rouge c'est un rouge, hein. C'est un vrai, vrai, vrai beau rouge. Magnifique. Magnifiquement charri. Voilà, alors je prends un autre pinceau boule, donc là c'est un chez Sanas un peu plus précis, et je prends la teinte volcanique, donc qui est la prunifique, magnifique cette couleur, magnifique. Et je fais pareil en coin interne. Oh, elle est sublime cette couleur. Pareil pour le ras de cils interne. Donc bien sûr ici au milieu on dégrade les deux teintes. Hein. Par contre je vais le remonter un peu plus haut que mon creux ici. Alors avec un autre pinceau un peu plus précis, je vais prendre la teinte Lava, donc qui est le orange ici, un chouïa de néon corail, je sais pas trop. Donc pour dégrader le rouge, oh la vache, il est beau. J'adore. Je reprends encore un autre pinceau boule et je prends la teinte du coup Inferno pour dégrader cette partie-ci. Ouh la vache, il est pigmenté. Donc là c'est pas grave si je remonte jusqu'au sourcil, hein, du coup. Je dégrade bien sûr le orange avec. Pareil à la partie interne. Oh, il est beau aussi, mais toutes les couleurs sont belles de cette palette. C'est un truc de fou. Donc ensuite, je repasse un coup avec chaque couleur appropriée, hein, comme d'habitude, pour bien réintensifier un peu toutes les teintes, sans rajouter de matière. Mais juste pour, histoire de bien flouter et bien réintensifier un peu. Et ensuite, avec un gros pinceau souple sans matière, je dégrade au maximum toutes les teintes, partout. Donc ensuite, au centre, j'ai très envie de mettre Éruption. Donc je vais prendre, non, celui-là, je vais le garder, je vais prendre un pinceau plat, je prends la teinte Éruption ici, qui est un rose, ben, un shimmer, quoi. Et là, je le mets, ouh, très shimmer d'ailleurs. Très lumineux. Je le mets au centre. Je dégrade bien de chaque côté. D'ailleurs, je vais y aller au doigt. J'adore utiliser mes doigts. Je crois que vous commencez à le savoir. Oh, il est supra lumineux, quoi. Magnifique. Et avec mon petit pinceau, je prends pour le Bonfire, là, pour le coin interne. Oh, il est lumineux à souhait aussi. Je prends avec l'autre côté de mon pinceau et j'en mets aussi sous mon sourcil. Comme ça, ça va illuminer et en même temps vraiment faire un petit coup d'estompage en plus en fait. Il est magnifique, il est supra lumineux ce phare. Ouah, j'adore. J'adore. Et allez, soyons fous, j'en mets un petit peu au centre de la paupière. Hop. Hop. Magnifique. Ouh, c'est beau. Je reprends mon pinceau souple pour dégrader un peu le shimmer dans le mat. Histoire que ça ne fasse pas une grosse démarcation. Voilà. Et maintenant, je vais réintensifier un peu toutes mes teintes, les unes après les autres. Donc, je reprends un petit peu du rouge, comme ça, ça va bien fondre ici. Je reprends un petit peu du volcanique. Oh, j'adore cette teinte aussi. Et pour les autres, par contre, je rajoute pas de matière, c'est juste pour estomper un peu. Je vais mettre du crayon noir en muqueuse supérieure.
un trait de liner noir, donc je prends le Catrice parce qu'en ce moment c'est celui qui fait le moins de crasse sur mes yeux. Je sais pas pourquoi. Je foire un peu moins mon trait avec celui-là. En muqueuse inférieure, je vais mettre le Vice des 24/7 de Urban Decay. Un petit peu de paillettes avec la Bim Platinum de chez Focalure. Donc je vais en mettre sous la queue de mon liner et dans le semi-calculus ici au-dessus. Ah, j'ai un poil qui part en cacahuète, enfin une touffe de poil qui part en cacahuète. Bon, allez, soyons fous, j'en mets aussi encore un terme comme d'habitude. Ah, ça chatouille les petits poils là qui partent en cacahuète. Mais ces paillettes sont magnifiques. Voilà. Recourbe cils et mascara. Je vais mettre le I Need a Miracle de Essence et le Skinny Lash pour les cils du bas de chez Cravate, comme souvent. Je pense que je vais mettre mon petit combo crayon plus gloss NYX, ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés et je vais garder l'accent sur les yeux. Mm-hmm. Donc je remplis, sinon c'est pas que le gloss n'est pas opaque, hein. Au contraire il est super opaque, c'est un striptease en teinte, non c'est pas le Selfless Date. Mais sinon moi, on ne voit plus rien au bout de 10 minutes. Et donc voilà le look final, je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, j'espère que ce make-up vous plaît, j'espère que Val il te plaît, surtout à toi. Voilà, je suis bien contente que tu aies tiré son à la Fire parce que je suis bien contente de l'avoir testé. Entre temps, vous aurez eu le swatch and make-up quand même, je pense, mais voilà, je vous remets juste ici si jamais vous ne l'avez pas vu. Donc Val, merci d'avoir pensé à moi pour cette vidéo, ça m'a éclaté de le faire. Merci si vous arrivez sur la chaîne de Val, enfin de la chaîne, la vidéo de Val, je vais recommencer. Merci si vous venez d'arriver de la chaîne de Val sur cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr. Ça fait vraiment plaisir, c'est très 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 encourageant. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Evelyse, j'ai 40 ans et je fais des vidéos depuis 8 ans. Oui, oui, 8 ans. Et ma chaîne est axée vraiment sur les petits prix, mais je ne m'empêche pas de me faire plaisir de temps en temps avec des produits un peu plus chers. Voilà, donc si vous aimez les petits prix et surtout la marque Révolution, parce que je suis accro à Révolution pour celles qui ne le savent pas, voilà, je vous invite vivement à vous abonner. La chaîne devrait vous plaire, je l'espère. Si vous vous abonnez, j'espère que vous vous plairez avec nous et je vous en remercie du fond du cœur. Et voilà. Donc n'oubliez pas aussi de mettre un petit pouce bleu au passage. Et on se retrouve demain pour la vidéo du mercredi. Et voilà, donc Val, encore une fois, merci d'avoir pensé à moi. Je me suis vraiment éclatée. Ça m'a... Alors, je me suis autant éclatée à faire le make-up qu'à faire le tirage au sort. Voilà, mais ça m'a vraiment éclaté, je me suis amusée, et c'est ce qui compte. Et voilà, donc n'oubliez pas d'aller voir la chaîne de Val, si jamais vous ne la connaissez pas. Et nous, on se retrouve donc demain pour une prochaine vidéo, et en attendant, je vous dis bisous, bisous. Baby, are you down, 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 down.